aujourd'hui, on manifeste parce qu'on est au dernier jour des négociations conventionnelles et qu'aucune décision claire a été prise, avec des menaces qui ont été formulées pendant toutes les négociations sur la possibilité, premièrement, de mesures coercitives à l'installation, et particulièrement à l'installation en secteur 2, mais ça reste des mesures coercitives à l'installation. Nous, on est inquiet pour notre avenir, et comme les slogans le disent, notre avenir, c'est notre santé. On a peur que notre avenir soit menacé, et la santé des patients aussi. Les négociations actuellement, il n'y a pas de proposition écrite officielle, on ne sait pas très bien où ça va. On sait que notre liberté d'installation peut être menacée. On sait que également le secteur 2 et les réalisations du secteur 1 sont menacées. Les jeunes médecins sont en colère car nous sommes au dernier jour des négociations conventionnelles et aucune décision claire n'a été formulée concernant l'installation des jeunes médecins. C'est pas dit non plus à tous les syndicats de médecins libéraux plus âgés. Je crois que pour l'instant les choses ne sont pas claires et nous on veut faire entendre qu'on ne peut pas penser de la coercition à l'installation pour la médecine libérale et en particulier pour les jeunes, et qu'on ne peut pas penser à fixer une limite au dépassement d'honoraires tant que le secteur 1, le tarif opposable, c'est-à-dire le prix auquel est remboursé par la sécurité sociale la consultation, n'est pas revalorisé. Aujourd'hui, 27 euros pour aller voir un médecin, 28, ça n'est pas le juste prix et tout le monde le sait. Et qu'on n'arrive jamais à rien faire. On bloque même pas un carrefour. Il n'y a même pas un petit embouteillage. Il n'y a même pas un quart de CRS, putain. Il n'y a que des camionnettes. Ah, on est chiant, putain. On est chiant. Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, putain. Faites du bruit, bordel. Il faut être... Négociation pour revenir.
revaloriser ces prix-là, on pourra peut-être réfléchir à la question du secteur. Nous espérons qu'elle va nous recevoir. En tout cas, une délégation syndicale est prête à la rencontrer. Hein, nous souhaitons non seulement que le tarif opposable soit revalorisé, qu'on ne touche pas au secteur 2 pour les jeunes, pour l'instant, qu'il n'y ait pas de mesures coercitives à l'installation et que si des sanctions sont prises contre des médecins qui font des dépassements abusifs, très excessifs, car il y a des brebis calleuses dans toutes les professions, ce soit fait à la fois par la Caisse d'assurance maladie et par le Conseil de l'Ordre, car pour nous, c'est une question déontologique de condamner ces gens-là.